c'est Flex. Et du coup, Rox Flex, ouais. Flex, en effet. Qui était chez Ten Stars, d'ailleurs, qui a été le premier à se faire bench du précédent roster. Et c'est XMS qui a pris sa place, notamment pas rôle pour rôle, hein, parce qu'il y avait XMS et Doma, du coup, qui avaient rejoint l'équipe. Mais quasiment. Bon, on passe du coup sur le pistol. On n'a pas de son du jeu pour l'instant. Ça va arriver tout de suite. Et Nakzet, une balle, pas deux, directement logée dans le crâne de Safe. Et ça permet à son équipe d'avoir un open. On est au courant pour l'absence de son. Ça devrait revenir d'ici quelques secondes pendant que Ketsnit prend de l'espace au niveau des lampes. Ouais, donc on a déjà les lampes. On a les showers. On a le BP. On va pouvoir planter tranquillement. Donc Safe, je crois qu'il a envoyé une flash. La flash a touché personne. Du coup, il s'est dit qu'il y avait personne. Sauf que le chamber avait simplement esquivé cette flash en se mettant dans un recoin. Et c'est un open kill un peu bête et méchant ici. Les guildes vont tâcher de reprendre, ils vont avoir une Viper qui va arriver dans le dos, mais il est tellement loin et surtout il y a un trap de Chamber qui l'a repéré, donc le flank de Rusk risque d'être attendu, c'est le cas de la part du Brimstone. Ici les joueurs passent, on n'arrive pas forcément à s'imposer côté de Chamber qui va même rater son occasion de profil, dans le dos, le duel, on a un peu de mal ici à déloger le joueur pendant que les guilds reprennent le BP et font un double kill, ils commencent même à désamorcer. Ouais, ça diffuse et Delzy qui arrive quand même à prendre le bon timing là-dessus. 2v2, la moitié a été prise. Nakzet qui en fait un premier. Trex qui doit s'offrir un 1v1 face à Delzy qui le décale. Et c'est finalement Delzy qui offrira le pistol à cette équipe d'écrou. C'est extrêmement bizarre de casser le son du jeu. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un karaoké, mais genre a cappella. Ouais, c'est gênant. L'ambiance est chelou. Mais on n'a pas trop le choix ici. On vous commente les images et le son va revenir dès qu'il en a envie. En fait, on est prêt, on attend que lui. Donc, ouais, Crew qui s'en sort. Un BP, enfin nous. Une ouverture surtout très, très réussie, un post-plant qui était un peu tremblotant, notamment dans le bac, on a du mal à trouver les kills, à punir les joueurs qui flanquent, mais tout se débloque d'un coup d'un seul et globalement Crew a maîtrisé tout de même son pistol. Anti-écho donc à venir, ce sera un light buy pour les guilds, alors quelques pistoles c'est tout, on sécurise une orbe pour save, d'accord, on veut, non pour Trex pardon, on veut le bouquet final le plus vite possible et il est déjà à 5 orbes sur 8, hein, donc ça va vite. Ouais, on n'a pas pris de kill pour l'instant côté guild, malgré un push de la short. Et on cross la mollo, de Klaus. Quelle mauvaise idée là-dessus, côté Coldamenta. Et Klaus farm les points d'ulti, farm la confiance, farm les kills tout simplement. Trex, qui avait la bonne intuition dans le générateur, n'arrivera pas à faire de kill. Et c'est seulement Léo qui ramassera les miettes de son coéquipier. Puisque Klaus est tombé et sa spectre également à longue distance, c'est vraiment pas la meilleure arme. Et Ketsnit va remporter le dernier duel. On a gardé 4 armes. Est-ce que Nakzet pour récupérer l'aspect, c'est fait. Donc ça sera un bon bonus. Exactement, un bon bonus à base de spectre et d'une vandale que Nakzet investit très bien. Donc Guild a un peu subi ici, pas grand chose à faire forcément avec le désavantage des armes. Et maintenant, un des premiers runes clés de ce BO3 va se préciser ici, puisque les guilds ont besoin de le mettre de la manière la plus solide possible. Et il risque de se prendre un bus, hein. J'ai l'impression que ça veut jouer rapide. On va avoir déjà 4 joueurs sur 5 qui sont collés à la barrière côté B et qui sont déjà en train de mettre une certaine pression hook. Alors les étoiles sont déposées de la part de Coldamenta. Léo est là aussi pour tenir un peu cette zone. Et voilà, pour l'instant, c'est simplement les prises de zone qui sont respectées. Les crews qui ne peuvent pas s'installer durablement là dans la zone, j'en ai bien l'impression. Et du coup, vu qu'on peut pas prendre la Wuka, vu qu'on peut pas prendre la longue non plus, on voit la smoke de l'Astra, et bien on repart. On va tester le A, un A qui est très faible, il n'y a que safe, il y a déjà le setup de la Viper en plus qui a été déposé pour aller dans les lampes. Bon allez Renaud, lâche-nous en freestyle là, il faut meubler un petit peu, faut faire des bruitages. Fais-nous le loup de Sky là. Ouf. j'aime bien. On s'y croirait, on s'y croirait presque. Et du coup, on prend l'espace du côté des crews. Au niveau de la lampe, c'est pas contesté pour l'instant côté guild. C'est un choix assumé. La grenade qui arrive dans les pieds de Mazino, il peut pas survivre à ça. Si, il arrive à survivre. 40 petits HP. Et le rêve d'un homme, il a réussi à amorcer le spike là-dessus. Il faut rester qu'ensemble. Russ qui arrive dans le dos va être gêné par une smoke, une fake smoke de son adversaire. Et ça profite à Delzik puisqu'il va faire tomber Russ. 4v4. Mazino est extrêmement low HP, mais il a réussi à se replacer, à se reculer au niveau des choses. On en veut un premier prowler. Est-ce qu'on prend le contrôle des lampes? Non, pas encore. Nakzet qui va décaler. On fake diffuse pour essayer de forcer les joueurs à se commit. Coldamenta qui prend le premier kill. Les kills qui partent à l'avantage des guides. Il ne reste plus que Mazino qui est envisagé au niveau des showers. On garde 3 armes. Un bonus dangereux, mais ça ne sera pas suffisant pour les crews. Ouais, c'est bien joué ici pour les guilds. Hein. Tout se joue au niveau des lampes pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un joueur. On ne tient pas les lampes côté crew. Je crois que c'est Ketsnit qui est à peu près à proximité. Ketsnit qui finit par décaler le BP et il tombe. Et quand lui il tombe, en fait, tout s'effondre sur le post-plant et les différents joueurs sont un peu livrés eux-mêmes. Donc, alors c'est Klaus, voilà, Klaus qui meurt. Donc une fois qu'il meurt, c'est facile, c'est Ketsnit qui doit sortir de sa position. Ensuite, c'est le crossfire avec les joueurs short qui est cassé à son tour. Et une fois qu'on a tué tout le monde, on se rend compte que le dernier joueur, il peut que être shower en quelque sorte et on le déloge encore. Donc
vraiment rien à dire. Les crews n'ont pas réussi à vraiment s'installer en post-plante et à créer un crossfire décent. Quoi. Ouais, et on a hâte de retrouver nos oreilles pour pouvoir vous commenter dans les meilleures conditions ce match. Pour l'instant, on envoie le loup au niveau de la longue qui repère safe. On s'échange les pigeons. C'est une volière, cette longue baie. Et pour l'instant, safe est repéré au niveau de son elbow. Il joue extrêmement safe. C'est un pari côté guild. Le pari A. On a décidé de jouer à 4 au début de ce round en A. Et on comprend très vite que ce n'est pas le plan de jeu des crews d'aller taper à la porte du A. On envoie un dog de safe qui va donner tellement d'informations et qui temporise surtout l'arrivée des coéquipiers dans le dos puisque le trap n'est pas au bon endroit. Coldamenta, accompagné de Trek, sont complètement invisibles et ils sont passés derrière la Viper adverse. Ouais, ça pourrait être un mauvais timing. Bah, il s'y attend jamais. Bah, voilà. Okay. Il y avait encore les timings possibles. C'est vrai. En mode, il passait market pour aller vers le B, il tournait de dos à la Viper qui revenait, mais tout va bien. On fait ce kill et Coldamenta continue lui-même avec son flank dans la longue. C'est déjà une double ouverture. Par contre, il est dans une position délicate. Il se fera déloger par la grenade. Mais les guilds n'en sont pas restés là. Safe, déjà présent à elbow, élimine un joueur supplémentaire au niveau de ce garden. Et c'est un 2v4. Ouais, on a envie de se TP très fort. Alors, très très fort du côté des crews pendant qu'on dit bonjour, là, bon retour au son qui vient de venir. Le temps d'une petite rafale. Non, il est bel et bien là. Tant mieux, on va pouvoir profiter enfin de la game dans les meilleures conditions. J'ai jamais été aussi heureuse d'entendre des pigeons et d'entendre des tirs et d'entendre un couteau, un carambit et inspecter. Ouais, ça va être un deuxième point pour les guilds. On va conserver ses armes côté Mazino et Kesnit. On n'aura pas l'occasion de tenter quoi que ce soit. On le sait, le round est perdu. Et c'est bien joué de la part des guides, tu vois, parce que même si le pari, entre guillemets, n'est pas bon, ou en tout cas le fait de commencer en A, c'est pas la bonne idée, Safe, il prend tellement d'infos, il temporise tellement, il concentre l'attention des joueurs adverses sur lui dans la longue, ce qui permet en fait à ses coéquipiers d'off dans le bac et d'être quasiment déjà sur le BPB pour l'aider avant que les crews soient passés. Ils n'ont même pas eu l'occasion de passer sur le site, en fait. C'est ça. Et aussi, c'est aussi parce que, comment il s'appelle, c'est Russ, il met le wall, on le voit d'ailleurs là sur le radar, il se met dans les lampes et il met le wall aussi pour le B, ce qui veut dire que même sans être présent physiquement, B, il peut aider un joueur à l'opposé de la map comme ça en activant simplement son écran toxique, bien sûr. Donc voilà, on utilise la Viper ici de la meilleure des manières pour permettre des setups un peu inhabituels. Crew qui va donc forcer l'achat pour accompagner les armes sauvegardées du round précédent. Et on continue la classique pour eux, c'est-à-dire essayer de prendre la hookah. Elle n'est pas du tout défendue cette fois-ci. Il n'y a même pas l'écran toxique et on voit la Sky de profil. Sur lequel on lui met un rayon orbital. C'est bien tenté parce que c'est vrai que ça slow ici. L'éclaireur qui slow, on pouvait tenter de le choper, mais il aura réussi à sortir de la zone avant de mourir. Ouais, il a perdu un tiers de ses HP. 90 HP restants pour safe. C'est pas une mauvaise opération cette ulti. Même si je pense qu'on aurait bien eu besoin pour accélérer sur un site. Ultimate de la défense, c'est un petit peu prématuré ça côté Coldamenta. Ouais. Cette ulti du côté du B, d'autant plus que le dog de safe ne repère absolument rien au niveau de la longue et on est en contrôle et justement on fait bien de contrôler du côté de Naxxed puisque Russ voulait reprendre une information, tenter son move au niveau des Shoah. Il a repéré un chamber en contrôle reculé et finalement cette division cosmique, on va s'en servir de timing pour exécuté sur ce BPB et il n'y a qu'un joueur, il y a safe et ces 90 petits points de vie qui vont être repérés peut-être par le boombot dans le BP. Non, Trex, mais ses adversaires l'ont repéré. Trex ulti en main qui pourrait reprendre pour aider son coéquipier. Ouais, on a éliminé Trex, par contre il a directement repris backside, ça va trade pour safe et Léo traverse à son tour au niveau du spawn en trouvant le headshot sur Mazino. Ça va essayer de débrouiller si le transfert de safe est juste parfait. Il arrose sur le dernier mais c'est pas grave du tout. Il a fait la div de dingue à sa position malgré les PV perdus en début de round. Il était invisible et il a été ultra fort en fait, juste trop chaud. Mais tu sais, des fois, l'esprit de l'avantage, j'ai l'impression, c'est comme quand il te reste deux quilles au bowling qui sont écartées et t'arrives à les faire tomber toutes les deux en tapant l'une, rebond, tu sais pas trop comment. Mais là, il est clean en vrai. Là, il a vraiment bougé sa souris, c'est pas un spray random avec une balle qui part comme ça au hasard. Mais c'est vrai que sans le ralenti, on aurait pu y croire. Exactement. Là, c'est vrai que le ralenti a bien montré que l'ajustement est clean. Ce n'est pas une crasse. Exactement. Et donc, c'est trop bizarre les crews. Le fait d'avoir sauvegardé deux armes au round précédent, ça fait qu'ils ont vraiment une écho chelou. Donc là, oui, c'est un light buy, mais il y a une guardiane de Vandal. Donc il y a toujours des dangers potentiels. On a sécurisé les showers pour aller chercher l'orbe ici. Ça sera pour avancer sur les éclaireurs de Mazino. Il faudrait chercher l'orbe équivalent
Côté B, ou planter le spike pour le débloquer dans ce rune ou faire un kill, bien sûr. On a tout de suite repris l'info. Hein. Par contre, côté safe, mettant l'éclaireur pour confirmer qu'il y avait encore des joueurs en contrôle. Et du coup, on en reste là. Voilà la lenteur des crews qui continue d'être bien présente. Ouais, Mazino qui est parti pour la prise de la Bastille, là, avec son skin. Je sais pas si t'as vu le coup d'épaule de Russ qui est puni directement par Delzy, qui s'est pris pour Jinx et a raison, puisqu'il aura... Il aura raison justement de son adversaire et il offrira un 5v4, puisque Kesnit au niveau de la longue punit, je pense que c'est exactement la même manière, un circle jump de Koldamenta au niveau de la longue. Deux joueurs en prise d'infos qui se sont fait punir et l'ulti de safe, là il pourrait mettre bien. L'ulti pour les infos, pour savoir où ça va terminer, il pourrait mettre extrêmement bien, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'intention de safe. Il va essayer de se replacer au niveau des showers. L'idée n'est pas mauvaise. Mais il y a un joueur qui va arriver devant lui et je pense qu'il va le sous-estimer. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage de sa part, hein, de ne pas vouloir clear d'abord les showers pour après s'assurer la fin du rune. Donc là, le rune est mort. Franchement, le rune est mort. Les deux ouvertures avaient déjà un peu plié la chose. Mais ce kill supplémentaire sur Safe qui n'ose pas clear son espace shower, bah, c'est encore pire. Ça ne fait qu'aggraver voilà, la situation. On a quand même ce sniper maintenant sur Trex qui doit être conservé, c'est important pour la suite. Et Léo, lui, il a pas mal d'argent de côté, donc peut-être qu'il est en train de se dire que s'il pouvait faire quelques dégâts, ça serait pas plus mal. Le Chambers présente à lui d'ailleurs ici, Nagzet en coup d'épaule, ils se sont vus l'un et l'autre, mais pas de kill possible pour le moment. On va en rester là simplement et Crew va recoller au score. C'est un half buy qui passe pour les Crew, on le voit, hein, ils ont gardé de quoi acheter au prochain round. Donc franchement, c'est une bonne opération pour eux, d'autant plus qu'on a gardé deux ultimates importants, celui de Kesnit et celui de Klaus. Je pense que Kesnit a dû le récupérer en faisant son kill, mais c'est vraiment bien joué de leur part. Et Mazino, il est qu'à un orbe de récupérer également ses trackers. Donc je pense que ça sera fait soit shower, soit long. Donc là, franchement, ils ont l'avantage. Pour moi, sur le. Waouh, c'est énorme ce qu'il lui met. Ouais, ouais, c'est ça, je pense que. Ah non, ok, d'accord. Koldamenta, il décale. J'ai l'impression que son 2 aussi lui tirer dessus. Donc je sais pas si le headshot à travers, du coup, il est aussi aidé par le fait qu'il y a un petit. Une balle dans le corps, je pense, ouais, probablement. Et après, ouais, Koldamenta, lui, par contre, il est en mode compensation. Il est en mode bon, 4v5, faut que je fasse un truc, il décale. Et là, il y a le contrôle qui le tient en respect. Très bien. 3-3 donc. Et ouais, les crews qui, je sais pas, leur rythme est quand même un peu spécial ici. On va faire toujours le même premier temps, c'est dans la hauteur. Avec le boombot et l'éclaireur. D'accord, on investit l'éclaireur en plus là pour bien s'assurer la prise de zone. Et même si on a mis le puits de gravité, on doit concéder l'espace. Par contre, encore une fois, c'est Sei qui fait le taf. Il va préférer sauter plutôt que confirmer la présence de joueurs. Mais si la raise a été vue et qu'elle n'est pas dans la hookah, on peut se douter que la hookah est encore libre. Mais pas pour longtemps, parce que vous le voyez, il se présente ici avec une flash. On est appliqué, franchement. Les crews qui sont appliqués dans la prise de zone pour être bien sûr de ne pas souffrir, notamment de ce sniper de Trex qui est neutralisé de A à Z là. Ouais, la Sky qui met bien. Tu vois, tout à l'heure, on a eu l'occasion de voir une bind. Entre Xerxia et FPX avec un caillot sur Vine. Et là, franchement, la Sky sur les dégâts des Ray, sur les dégâts des Viper, elle met bien. Le heal de la Sky met vraiment bien. Quand on sait que certaines équipes préfèrent parfois un caillot à cet agent, j'avoue que moi, je lui trouve vraiment une plus-value sur cette map de Vine Ultimate de Safe pour les infos. Et ça y est, on comprend. On comprend que c'est du côté du A, que c'est en train de se dessiner. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on décide de TP? Oh, le pool qui est en train d'attraper par le callback les joueurs de Crew. Non, ça y est, on a réussi à prendre le VP pour Kesnit. Il ne sait pas trop où envoyer son ultimate. Il va aller au niveau des showers, il va jusqu'au bout. Et Safe qui ne pensait pas qu'on allait venir le chercher aussi loin. Qui est un petit peu malheureux là-dessus, malheureusement. Deuxième ulti investi du coup, hein, le nid de vipère sur l'ulti. On va tenir les lampes. Alors attention, on a TP le premier joueur, on est naïf sur le second. Là, les guilds se précipitent. Safe à noter, hein, mais dans sa shower, il fait la même chose que tout à l'heure. Il ne clear pas jusqu'au bout, il s'enferme dans sa zone, il est répétitif. Ici, on peut faire le tour pour aller côté spawn, c'est un peu trop. Mazino, franchement. Mais bon, tant que la Viper est encore en vie, l'ulti reste fort. Et une fois de plus, les guilds doivent concéder le rune. Non, mais Kesnit, il est déjà parti. D'accord. Il est déjà parti. Le mort, il a le. Comment on dit ça? Le mort au. Non, pas le mort au renne. Non, le mort, tu sais, comme un cheval. Comme un cheval. Un cheval de course qui a déjà son mort. Enfin bref, MORS, MORS, mais je l'ai plus, malheureusement, on pourra pas broyer la langue de Molière sur ce round, c'est pas grave, on aura d'autres occasions de le faire. Et Kesnideus, pour l'instant, il n'arrive pas à récupérer le mort aux dents, le mort aux dents, tout à fait, merci beaucoup. Le chat, il gère, hein. Merci. Là. Et du coup, on le voit ici, hein. Je sais plus. Ah, il l'a vu, d'accord, ok. J'ai cru qu'il lui avait mis à l'aveugle dans les showers, mais non, il l'a vu. Ça fait deux fois qu'il est tout seul en A, plus ou moins, il se fait courir dessus, et il va dans les showers, et il n'ose pas push la shower. C'est vrai. Il reste dedans à l'intérieur. La situation était légèrement différente, mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il est là, il est tout seul, et il se fait démolir sans pouvoir avoir d'impact véritablement dans le round, quoi. Vous êtes très réactif, le chat, en tout cas, c'est un plaisir
de collaborer avec vous sur une compétition de cette qualité. On a une régie de qualité, on a des co-casteurs de qualité, on a des joueurs et des viewers de qualité. Franchement, de quoi se plaint-on ? On exécute au niveau du BPA, du côté des joueurs crew avec Kessin 2, c'est son judge glitch pop bien décidé à en découdre au niveau de ce backside. La réponse est un ultimate de Léo pour empêcher les joueurs d'avoir du son et pour ne pas comprendre, pour ne pas entendre ce qui est en train de reprendre sur le BP en compagnie de Trex. Et son ultimate, Nakzet, qui essaie de casser la distance au niveau des showers, est battu par Trex. Kessin arrive à récupérer un kill, mais le mal est déjà fait, c'est déjà un 2v4. Ouais, là on a réussi à bien stopper sur ce BPA, enfin on est solide, mais grâce aux ultimates notamment. Alors est-ce qu'on arrivera à choper? Non, il arrive à prendre le TP tout pile, la DSX, c'était chaud, et ce qui fait que Safe, bah, il se retrouve un peu hors de position. Encore une fois, les guildes ont eu ce réflexe de push le BPB, et là, bah, ils sont pas récompensés, mais ils sont déjà dans le dos, c'est la bonne nouvelle. Les crews sont bloqués sur le BP, on va même voir la raise ici avec le hunter, ça prend le TP, on va arriver à 3 par l'Oka et 1 par le spawn. Comment on se passe? On se sépare en fait du côté des crews, 1 dans le site qui est repéré par un éclaireur qui est raté d'ailleurs, il se fait stun, le stun est au-dessus donc il est toujours pas vraiment perturbé, les équipes continuent à faire la tourelle et son coéquipier va essayer de le couvrir depuis la longue. On a bien cassé les lignes, on a bien smoké, quel travail de Coldamenta ici avec un Kaznit qui tente sa chance à travers sans succès et qui va se faire sauter dessus par, eh bien c'était la Sky mais c'est Trex pardon qui l'élimine. Ouais, quatrième point pour les guildes, égalisation. Ça se passe plutôt bien, en tout cas sur ce round, parce que j'ai du mal, tu vois, à dire qu'il y a un momentum d'un côté comme de l'autre, parce que j'ai l'impression qu'on se rend coup pour coup pour l'instant entre guild et crew. On n'arrive pas à enchaîner plus de deux rounds d'affilée d'un côté comme de l'autre. Donc ouais, c'est vraiment close pour l'instant. Ce neuvième point, ça va être l'occasion peut-être de départager. Alors je sais pas où en est l'économie des crews exactement. Je suis pas sûr. Si je pense qu'ils vont pouvoir racheter. Ouais, ils ont largement les thunes pour racheter. Ils étaient un peu en light buy déjà, j'ai l'impression. C'est étrange, mais enfin non, ils avaient 1000 euros de suite, pardon, j'ai rien dit. Donc ouais, ils avaient une banque. Ouais, ils ont les sous là, ils ont largement les sous. Ça va pour le faire, et la bonne nouvelle pour eux, c'est que Guild va pas pouvoir sortir des ulti raise tous les rounds pour les stopper, quoi. C'est ça. Donc en vrai, ils ont pas encore grand chose à se reprocher, et ils continuent surtout, ils continuent leur classique. C'est la Oka, encore et toujours dans les premiers temps. L'éclaireur juste derrière, mais Coldamenta, c'est un guerrier, Coldamenta, il s'arrête jamais. La double décale, c'était bien tenté, mais on est légèrement désynchronisé, on l'a bien vu, entre Nakzet et Delzik, et c'est donc ce dernier qui en paiera le plus fort. Ah ouais, safe là qui est battu, malheureusement on a raté le timing de la smoke du côté de Coldamenta, et du coup Safe qui pensait être couvert de la Wuka en réalité va tomber. Coldamenta qui reprend sur un proleur, ok pourquoi pas, sa TPA du côté de Nakzet. Léo est à la réception, va envoyer un proleur en plus qui va croquer directement Kaznit. La décale de Léo est chirurgicale, Léo n'a besoin de personne pour tenir son BPB, triplé pour lui, il ne reste plus que Nakzet et son opérateur qui sont attendus par Russ qui va faire un petit circle jump. Ouais, là c'est beaucoup j'espère plus qu'on va voir le replay pour Léo, puisqu'il fait un truc qui est ultra à la mode en ce moment à haut niveau, et je sais de quoi je parle, je suis en IMO 3, enfin bref. Non mais, du coup, weird flex plus didn't ask. Bah en fait ce qu'il fait c'est qu'il décale, il voit son adversaire et il tire pas tout de suite, enfin il s'arrête pas tout de suite et il tire pas tout de suite, tu vois. Mm-hmm. Vraiment il décale large, il dépasse bien de 5 mètres de derrière sa couverture avant d'enfin s'arrêter pour s'appliquer et mettre deux balles. Et en fait il attend que l'adversaire tire. Ouais, il cavale quoi. Il attend que son adversaire tire dans le vide, le rate et il le punit juste après. Tony Hawk pick. Tony Hawk pick, et du coup bah, l'adversaire sait pas trop où donner de la tête, il s'arrête et bam, là t'as un adversaire qui est en train de full. Alors, Tony, et c'est quasiment gratuit. Pas trop tu sais pas qui c'est ? Si, mais bon. C'est un skater, non ? Ouais. Bah, décale patin roulette si tu referais Formule 1, Charles Leclerc, ça te parle un petit peu plus. Bref, le replay va nous permettre très probablement de voir de quoi on parle, parce que là, plus la. Le problème, c'est que à ce niveau-là, si tu tires pas. En général, tu te prends en one tap. Ouais, tu peux te faire punir. C'est vrai que c'est pas évident, mais Léo, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il a voulu faire ici. Il a été ultra fort dans son BP. Par pitié, le replay, s'il vous plaît. Donc, on va le voir ici, le deuxième. Et là, il va décaler giga large. Vous avez vu comment il met du temps avant de s'arrêter, quoi. C'est pas, il le voit, il s'arrête, il pré-shot. C'est, il décale, il refait un hashtag petit mètre, analyse. Un 2 mètres de plus, et après, il s'arrête et il met le 2 balles. Hashtag voilà. Analyse, les Whipstitty. Mais juste, sachez-le, c'est à la mode. Prochain épisode de Toxic, comment décaler en IMO 3. Alors, c'est Whipper ce passe, vous explique. Tu regardes pas mes vidéos, en fait. Non, mais si, je connais les concepts. Unpopular opinion, il faut pas tirer quand tu décales un joueur. Lou, j'ai une question. Dis-moi. On peut se focus sur la game ou c'est comment? On se focus sur la game, bien sûr. Okay, pause tactique, du coup, du côté des crews. Et puisque bah, les guilds ont inversé un petit peu le momentum en inscrivant deux rounds d'affilée. Certes, les crews, franchement, ils sont pas en panique hein, sur la game. Ils ont les sous pour racheter, il me semble. Ce round-là et probablement le round d'après aussi. Mais quand même, il commence à y avoir anguille sous roche, étant donné que là, les rounds sont beaucoup moins close, on va dire. Là, c'est vraiment de... Il y a au moins trois joueurs adverses qui restent en vie, donc ils se constituent une banque. Nous, derrière, on n'arrive plus trop à récupérer le point d'ulti, se mettre en confiance, etc. Donc, je sais pas.
Moi, je pense que la pause, elle arrive au bon moment pour les crocs. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai l'impression que leur classique ne fonctionne plus. Les guildes, la Hookah, ils s'en foutent pas mal. Les snipers débloquent un peu la situation. Ils arrivent enfin à stopper les rushs avec tantôt Léo, tantôt Trex qui se relaient l'un et l'autre pour faire les émissions multiples et vraiment tenir un site. Donc, ouais, ça va. Guild est dans le rythme. Ils ont chopé le coup. Et là, c'est vrai que c'est crocs qui commencent à être un peu répétitifs. Non pas dans les finitions, mais vraiment dans les débuts de round qu'ils subissent en plus de plus en plus parce que les open kills sont en faveur de Guild là, depuis un petit moment. Et là, dès le début, on va forcément renforcer ce site A avec l'ultimate de Russ investi première seconde. Et donc déjà, t'as pas forcément envie d'y aller hein, à la place des joueurs chiliens. Ouais, on les comprend. On contrôle côté crew. Au niveau de la Hookah, on va y aller à deux. Mazino accompagné de Caitlyn et Deus, ou plutôt l'inverse. Il y a peut-être un combo là qui se prépare. Ouais, on envoie un prowler dans la Hookah qui repère un joueur, mais on ne sait pas qu'il y a un joueur passé au niveau de la droite. Je pense qu'on va pas être naïf. Ça serait de mauvais goût d'aller chercher la Hookah nature peinture, et on le sait très bien. Pour Coldamenta qui joue dans sa nébuleuse, très bien. Ouais. Son positionnement pourrait surprendre. Après, je pense pas qu'on va rentrer dans sa smoke, mais sur le fade, il pourrait. Ça m'appelle Scarry tout à l'heure dans le garage là, de Haven. Bon, là, il a posé un peu moins sneaky, mais il y a. Il est repéré. Il est repéré en plus. Il a pris quelques dégâts ici à travers, je crois bien. Plus les dégâts du dog qui ont dû être appliqués, 30 dégâts en dégâts directs. Et il arrive quand même à s'en aller grâce à l'écran toxique de Russ qui verrouille le A et aide en B. Donc 30 secondes, Crew n'a rien fait. Crew doit prendre le BP et ça va être chaud. Ouais, et d'autant plus qu'il n'y a pas de reveal pour le backside, donc là on est tranquille du côté de Trex, rien ne peut le déloger. Il va décaler, il va se repositionner, ok, dans le bomb side, 20 secondes il faut exécuter. Trex qui prend le premier kill, Kessidus qui décale et qui obtient des joueurs de profil, c'est doublé pour lui, amorçage quasiment gratuit puisque Naxxed cover au niveau du elbow, la sortie de Coldamenta, double kill pour Russ et safe au frenzy à la fantôme, et finalement ça rebat les cartes, le rang est jouable. 2v2 avec un Russ au niveau de la Hookah qui va décaler face à Naxxed, à l'opérateur, Naxxed qui ne se rate pas. Naxxed va-t-il switch? Non, il décide de garder son opérateur, il est de profil. Oh, il reprend la ligne du côté de safe, on se jauge du regard et on casse la distance, on prend de la hauteur du côté de Naxxed qui a repéré son adversaire et qui l'a de profil. Safe qui aligne pour un triplé et qui vient sauver les guildes sur ce sixième point. Faut pas trembler hein, en LAN comme ça, t'as les mains un peu moites, c'est fini. Ouais. Safe, c'est marrant parce qu'il entame sa retake au frenzy parce que il veut reprendre dans une smoke, donc il préfère avoir le frenzy, c'est logique. Il fait un kill à l'intérieur, il sort son sniper, traverse la smoke et fait un kill au sniper, et là tout de suite il échange son sniper pour la fantôme. Et on voit bien que le fait d'avoir une fantôme dans l'ultime duel, c'est vraiment ce qui lui permet aussi d'avoir un peu plus de droit à l'erreur quoi, face à Naxxed qui lui n'a que son chasseur de tête et son sniper qui quand même sont. Alors certes tu peux switch de l'un à l'autre très vite. Oui, tu peux tirer très rapidement, ça n'empêche pas que t'es quand même plus à l'aise avec une fantôme, notamment dans ce genre de pur 1v1 où tu te cherches autour du BP. C'est vraiment ce que les deux joueurs avaient de l'information sur leur adversaire, mais il fallait se chercher, il fallait se trouver, il fallait s'offrir un timing, et c'est safe qui était le meilleur à ce petit jeu. Vous avez entendu, l'ulti de Naxxed a été investi, il va être en contrôle au niveau de la charge pendant qu'on met du rythme, pas dans la Hookah cette fois-ci, mais dans la longue, et ça surprend complètement Trex qui est pris de vitesse à sa position, mais tout de suite trade par Coldamenta. Ouais, la reveal en plus qui repère qu'il y avait un joueur en plus, on le sait. Ça sera du 4v4 et il y a toujours le tour de force de Naxxed, ça pourrait être un petit peu le facteur X côté crew. Ouais, j'aime bien, tu vois, les crew qui décident de casser un petit peu le rythme. Ils ont toujours l'habitude de mettre le premier temps dans la Hookah, ouais. De prendre vraiment cette zone et ensuite de se focus sur la longue. Et non, là, ça a été directement Kessidus parachuté au niveau de la longue. L'idée était excellente, mais la réponse des guildes est bonne. On joue ensemble. Colda est là pour traiter son coéquipier. Les trackers envoyés par Safe ne donnent pas tant d'informations que ça, si ce n'est qu'il y a des joueurs au niveau de cette short. Et Safe est prêt à réceptionner à l'opérateur. Avantage à la perspective, la décale de Naxxed qui va récupérer en travers un Safe un petit peu naïf là-dessus. Et du coup, ça offre le BP au crew. Ultimate au niveau des lampes, on est obligé de sortir du côté de Russ. Bah oui, c'est vraiment pas la position à jouer face à un ultimate Brimstone et c'est un 2v4, un round qui semble impossible pour Colda et Léo. J'ai l'impression qu'il avait pris des dégâts de la Viper. Alors est-ce que c'était des dégâts de mollo, de tir ou de smoke, je sais pas trop, mais c'est ce qui fait qu'il est mort extrêmement vite sur le rayon orbital. Et là on tient bon, hein. On tient bon toujours autour de Naxxed et de ce tour de force. Il est impeccable pour l'instant. Léo repéré, éliminé dans la hauteur. Crew qui retrouve la victoire ici avec un petit changement de rythme en B et surtout un sniper qui fait la diff côté A. C'est là où on voit que Guild, certes, ils ont safe, c'est leur sniper, mais le sniper sur Sky, t'as pas.
T'as pas ce petit truc en plus, quoi, pour essayer de t'en sortir. C'est ça. Et pour ceux qui se posent la question, les crews communiquent en espagnol, puisqu'il y a 4 joueurs chiliens et 1 joueur argentin. Et ouais. Il me semble que leur langue maternelle, du coup, est l'espagnol. Et on a déjà vu des vidéos d'eux à la fin des rounds où ils communiquent en espagnol. Exact. Donc voilà. C'est exactement ce qui n'est pas le cas des équipes européennes, d'ailleurs, puisque les 3 équipes européennes qui sont parties au Masters communiquent en anglais, même si tous les joueurs ne sont pas... natif de ce pays. Cassidy qui va switch sur son ultimate, qui va l'envoyer dans les dents de C, qui réussit à survivre, je ne sais trop comment, 57 HP pour le joueur Sky, qui ne sait plus où il est avec les flashs envoyés par ses adversaires. On décide d'abandonner tout simplement côté crew, et le doc de save qui repère les joueurs qui sont en train de repartir. Ouais, mais du coup, on avait cru un fake B et retour A, et c'est ce qui fait que les guilds on stack le A instant. Et je me demande si ce dog là, le dog de save, je sais pas pourquoi il l'appelle pas à l'aide un peu. Il y avait encore 2-3 joueurs en contrôle sur sa zone. Et c'est fait, c'est fait. Très bien, c'est Trex qui va se présenter au BPB pour tenter de le soutenir légèrement. Mais les crews ont le coup d'avance. Alors peut-être pas, c'est Russ qui a peut-être le coup d'avance, il push. Mais il y a un piège ici, un piège qu'on ne voit pas souvent. Et qui va donc repérer ce push. Tout de suite, Nakzet récupère l'info, il peut dire bah on se fait pas flank. Mais on est repéré en tout cas. On est repéré en étant un peu dans la short, on est même un peu enfermé. Mais les joueurs se replient de manière un peu aléatoire. On a failli se faire choper du côté de Cold Damenta en sortant des showers. Et l'exécution est présente autour de la division cosmique de Cold Damenta d'ailleurs, qui va aider les joueurs. On le pull de l'autre côté du mur, c'est trop bien fait ici. C'est le spike down, mais tout de suite ramassé et planté par Klaus. Cold Damenta, il a attrapé là-dessus et on arrive à survivre pour Klaus. 53 HP grâce à la bonne grenade de Trex. On va reprendre en 4v5. Trex qui reprend comme un fou et il est couché par Cassidius, mais au moins il donne les informations à ses coéquipiers. Il y a 3 joueurs paqués au niveau de ses lampes. Nakzet se fait pré-shot et se fait travers à l'opérateur. Il ne trouvera rien. Cassidius n'arrive pas à tenir son duel face à un Russ extrêmement low HP. La déferlante guild s'abat sur le bombsite et même si la mollo n'est pas ratée, elle ne suffira pas à empêcher les guilds de diffuse. 7-5, c'est le bilan de ce premier side. À rappeler quand même, les guilds sont en défense. L'attaque sur Bind, c'est quand même une sacrée paire de manches. Ouais, ça peut être assez compliqué. On verra bien. C'est vrai que par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, hein, moi, le fait qu'ils aient un double initiateur, c'est vrai. Pas plus que ça pour leur attaque. Avec la Astra aussi, qui est assez rare, on peut voir que. Bah, je sais pas, moi je trouve que Cold Damenta il fait une game de fou. Déjà avec ce genre de petits tricks ici, hein, mais c'est lui qui met la division cosmique. Elle laisse volontairement un gap pour planter le spike. Les adversaires se disent trop bien, je peux planter ici. Ils le font, ils se font aspirer. C'est juste trop bien joué. Et même globalement, je trouve que Cold Damenta a eu un impact avec ses puits de gravité tout au long de la game, que ce soit pour empêcher les prises de zone, pour gagner du temps sur les fins de rune ou ici pour gratter des kills lors de l'amorçage. Franchement, c'est un gros travail de sa part. Donc j'avoue que moi je suis pas inquiet, je suis satisfait de ce que Guild a montré pour l'instant. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, je te rejoins là-dessus. Après, côté crew, est-ce que je suis pas un petit peu restée sur ma faim, sans faire de jeu de mots Et t'inquiète pas, le chat s'en charge. Le chat le fait déjà assez, les petits comiques. Allez, vos meilleurs jeux de mots sur crew, s'il vous plaît. Le plus drôle, on le lira dans le chat. Là, vous avez 5 minutes, a priori, il y a une petite pause ici. On peut peut-être du coup... on va peut-être pouvoir lire vos meilleures blagues sur crew là, puisque ça faisait longtemps. Hein. En général, c'est à chaque Masters. À chaque Masters, on a les meilleures blagues. Et du coup, bah, n'hésitez pas. On va essayer de lire le chat dès qu'on en a l'occasion. C'est toi qui l'as sous les yeux, le chat. Bah, on est dans le noir, du coup. Ah, c'est bon, ça y est. Et la lumière fut. Je s'appelle Crew, bof. Croustacé, ben, c'est un peu hors sujet, du coup, parce qu'il n'y a absolument aucun rapport avec la guerre. Ouais. J'ai vu un Weeper en crewmate. Je pense que c'est un génie. Ça, j'ai bien aimé. Le crewmate, non crewmate, ça te... bah, c'est... On le voit pas souvent. Pour le c'est, coup, voilà, il c'est s'est ça. Dépassé. On se lasse un petit peu des éternelles mêmes blagues sur Crew. Donc franchement, le crewmate... Non, le crewmate, pas mal. J'aurais donné un VIP sur ma chaîne, là, si c'était ma ouais, chaîne. Carrément. Ouais, donc, là, on ne l'est pas. Je suis généreux. C'est ça. C'est le Jamel Comedy Club, contre, le Whipstitty Comedy Club. Les crudités, les cruels, si les modos pouvaient time out ces gens-là, s'il vous plaît, pendant un bon 10 minutes. Là, un grand crew de caster. Bah, du coup, ils ont déjà fait le Black Crew et là, ils refont crewmate, caster crew maintenant. Non, c'est bon, il n'y a aucune imagination, ce type-là. Mais ça y est, tu t'es pris pour Gad Elmaleh ou quoi? Tu crois que tu as fini le game de l'humour? Non, moi, je suis c'est pas une Gad blague. Elmaleh, mais juste, je juge en fait. Et là, c'est refusé, tout simplement. Voilà. C'est refusé par le grand Weeper. Moi, vous me faites bien rire. Vous me faites bien rire dans le chat. Bon. Pour l'instant, on n'est pas en train de rire ni du côté de crew ni du côté de guild, puisqu'on vous propose un match quand même assez serré. C'est vrai. 5-7, bilan de la première map, pas de stomp. Il n'y en a pas eu beaucoup sur ces Masters. D'ailleurs, pour l'instant, des stomps, j'ai en tête une map 13-1 de DRX infligée à Nerception hier.
Mais en dehors de ça, il n'y en a pas eu. Même assez accroché globalement. Toutes les équipes qui étaient outsiders ont réussi à montrer un bon niveau, à accrocher et à rarement se faire dominer. On aurait pu avoir des stomps hier sur Guild contre Optic. Voilà. C'est une map où c'était franchement possible, mais à chaque fois, l'Optic ont réussi à limiter la casse tout en s'inclinant quand même à l'issue du match. Donc voilà, mais globalement, ouais, le niveau est présent, les équipes sont dans un mouchoir de poche, et ça a l'air d'être le cas pour l'instant, en tout cas. Il n'y a eu qu'un side, et on va découvrir le second ici, et voir si ça va un peu eh bien, se nuancer, bien sûr. Ouais, côté Guild, qu'est-ce qu'on va nous proposer en attaque? Est-ce que ça sera un rush? Est-ce que ça sera du contrôle avec de l'activité d'un côté comme de l'autre? Ça me manque, les rushs au pistolet. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas d'équipe turque assez masters, et même si c'est un stéréotype qui leur colle un peu à la peau, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'équipes turques qui nous proposent des gameplays très explosifs, ou mandatory à la limite. Une équipe turque ou mandatory au masters, j'aimerais bien voir, tu vois, des joueurs T1, des joueurs professionnels qui ont des principes de jeu, etc., se faire courir dessus par des néons et des phénix. J'adorerais voir ça. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est proposé par les guilds, puisqu'on voit sur le long terme, on est allé chercher l'orbe dans les showers, et on va probablement pouvoir aussi récupérer celle dans la longue, puisque ça a l'air d'être un retour B qui est call côté guild. Avec un fake. Ah, du coup, j'imagine. Ouais, la flash, elle dit tout. Ouais. La flash, elle dit après, tout. Après, la flash, elle dit, il y a quelqu'un. Combien? Avec le spike ou pas? Ça, Mazino doit essayer de le déduire lui-même. Et c'est ce qui fait que la défense ne bouge pas particulièrement, en fait, pour l'instant. Mais il rota pas, du coup. Tu vois, il reste quand même contact. On ne mord pas l'hameçon de la petite pression A qui a été mise. Mais c'est pas fini. Hein. Je crois que ça va réactiver un écran toxique côté A, ce que l'observateur ne nous montre pas. C'est la Sky qui il va peut-être se donner. D'ailleurs, pour essayer de créer quelque chose, voilà, on va même casser le piège, envoyer une flash, le voilà. Le fake est présent, il est presque réussi, et là, c'est maintenant qu'il faut exploser côté B, en prenant le TP, et surtout en débordant côté long, mais ça tient aussi côté Mazino, et côté Klaus, qui, tout de suite remporte les premiers duels, donc redirection des guilds un peu à l'arrache, là, par le téléporteur, ils vont revenir, ils vont reprendre le TP short, et ils vont refaire du B, non? Non, d'accord, on va tous se donner rendez-vous dans la short, tout simplement pour essayer de déborder un BP, où il y a encore 3 défenseurs. Ouais, le wall est activé, il va falloir le cross. Il va falloir le cross pour aller amorcer. Il y a encore une grenade. Obligé de fake amorçage. Et voilà, la nouvelle TP. Mais il reste plus que 12 secondes. Et il y a Klaus qui a encore sa smoke qui va se positionner en dessous de la hauteur. C'est fini. Il est ingagnable ce round, on le sait. Mazino et Klaus qui terminent les débats. 6 à 7 pour les crews qui vont pouvoir s'envoler avec la contre-écho puisqu'on n'a pas amorcé le spike côté guild. Il n'y aura donc pas de force buy, ça sera une écho sèche. Il est pas beau ce pistolet des guilds. Hein. Vraiment, il est pas beau du tout. Ici, on se fait avoir. Bon, on se prend quelques dingueries, d'accord, dans les spokes, on l'a bien vu. Mais après, le retour H, tout short, bon, on essaie de planter, il y a des grenades qui tombent, on repart. Je trouve que quand tu prends autant le TP dans un round, c'est souvent la preuve que t'improvises et que t'essayes de faire le mieux avec ce que t'as, mais que t'as pas grand-chose de base, quoi. Ouais, c'est mauvais signe en général de prendre le TP plus d'une fois sur Vine, très clairement. Et là, on voyait que c'était un petit peu décousu. Il n'y avait pas forcément de plan de jeu autour, quoi. Je pense que vu qu'on s'est fait contrer sur la première intention de jeu, on s'est dit bon, allez, go TP, il y a la grenade, go re-TP. C'était brouillon, il faut l'oublier ce round côté guild. Dog envoyé par Mazino au niveau de la longue qui va repérer un joueur, qui va l'attraper. Klaus en coup d'épaule au niveau du contact Touka, il a repéré un joueur, Molo. Plus wall probablement à venir d'ici quelques secondes. Donc l'anti-rush est présent. Pour l'instant, on ne se fait pas surprendre côté crew. Ouais, les guilds qui au moins font cracher un peu le stuff dans le vent. On accepte toutes les petites victoires, bien sûr, notamment économiques. Et du coup, retour dans la longue, un peu comme au pistolet, avec une flash ou un éclaireur. Là, c'est pas clair. La contre-flash est déjà là. La prise d'info est là. On sait que c'est présent. On active tout de suite l'écran toxique. On va casser le dog et réceptionner les joueurs. La mollo est parfaite. L'anti-rush est parfait. Mais on a quand même un petit clic droit qui passe ici pour Léo. En sortie Uka, il va se glisser dans les smokes de Coldamenta. Et il est attendu par Kaznit au niveau du spawn. Et on tient bien à côté Mazino avec cette bulldog. Il sait que le dernier joueur lui court dessus. Beau clic droit une fois de plus pour ramasser cette arme. 1v3. La ligne cassée qui permet quand même de remporter le duel. Ils ont tenté. Bien joué. Hein. Bien tenté. Ouais, ils font tomber deux armes. C'est un petit peu ça la bonne nouvelle du round pour les guilds. Ils arrivent à prendre quelques kills. Le spike, cependant, n'a pas été amorcé, donc pas de bonus économique. Mais vu qu'ils n'ont pas grid sur des shérifs, et ça, je trouve ça quand même à noter, tu vois. Le fait qu'ils aient pas, ils soient pas allés acheter des shérifs, des marshals, comme parfois on voit en contre-écho. J'en parlais, la spéciale liquide, alors ça rend les échos très dangereuses, du coup, quand on a 4 shérifs, quand on a perdu le pistolet. Mais derrière, les rounds d'armée, il n'y a pas de stuff, il n'y a que des petits shields. Et là, on voit que le seul joueur qui n'a pas de shield, c'est safe et il est full stuff. Donc non, côté guide, on décide d'avoir des rounds d'armée solides et le choix stratégique se comprend.
Ouais, alors qu'à l'inverse, bah, avec ses deux armes perdues, on voit que bah, Klaus ne va jouer qu'au shérif. Nakzed, bon, va jouer au chasseur de tête, la classique. Et donc, on tente un bonus, inhabituel à 4 dans le garden côté B, en laissant le soin de la défense du A à Klaus et sa Viper, bien sûr. Il a des molos peut-être pour gagner du temps. Non, il a même pas de molos, à vrai dire. Lui-même est un peu en light buy. Et donc, on va plus loin. C'est le quatuor qui doit être actif, forcément. Et on pourrait choper les guilds lors du repositionnement ici. On veut s'en aller. Hein. Les guilds, ils veulent repartir, mais ils sont peut-être interceptés ici par Mazino qui fait du 1 pour 1. Mais les guilds ont remporté l'essentiel des duels. Voilà qui est fait. Moins 4 sur le BPB. Ça donne quand même envie d'y aller pour... terminer le boulot. D'ailleurs, voilà, on abandonne le A et c'est Klaus qui fait le backup rapide et qui va tenter d'adoucir un peu la facture. Ouais, l'objectif pour Klaus, là, c'est d'au moins faire tomber une arme, si ce n'est deux. Et Klaus qui a pris la mauvaise décision en repartant vers le A. On n'était pas sûr que ça allait finir en B. Nous le savons, il va le découvrir. C'est bien l'idée des guildes. Et on delay l'amorçage pour pouvoir permettre à Koldamenta de récupérer son orbe. Je serais même pas surprise qu'on lui drop le spike. Ok, même pas. Bah, il récupère le kill. Donc dans tous les cas, avec un orbe ou un amorçage, il aura son ulti au prochain round, un bonus pas dangereux. Côté crew, je pense que là, on peut le dire sans risquer de leur manquer de respect. Les guilds ont été au-dessus sur cette prise du BPP. Rien à dire. Bah, après, ils punissent. Hein. C'est, eux, ils sont en train de faire un peu leur présence B, ils veulent repartir en A. Et là, ils sont alors pas surpris, mais ils se heurtent à ce push des crews dans la longue B. Et ils les punissent pour ça, avec l'avantage des armes. Forcément, fantôme, vandale, supérieur aspect, notamment dans ce genre de grande distance ici. Donc, crew ont tenté et ça n'a pas fonctionné. On repart du coup sur un renard mais de chaque côté avec le premier sniper pour Nakzed. On voit ici la molo très à la mode en ce moment pour la prise Garden qui va être investie par Russ. Voilà, un peu tardivement peut-être. Le premier tir de sniper, il part. C'est Russ qui est touché, mais il survivra à tout ça. Ouais, on va exécuter sur le BPB, Trex qui prend de l'espace au niveau du backside. Est-ce qu'on a repéré Klaus? Est-ce qu'on a repéré son vis-à-vis? Les trackers de la Sky qui permettent à Klaus de gagner un petit peu de temps, mais il va se faire courir dessus. Il est complètement aveuglé, il n'y a plus de balles. Il n'y a plus de balles pour Trex qui a complètement spray de A à Z. Heureusement que Safe est là. Et avec un spray transfert salvateur, fera tomber deux joueurs, Kessin, Deus et Klaus. C'est donc du 3v2 pour les joueurs de Guild. Avec le spike amorcé, avec un Axet à l'opérateur et 36 HP, je pense qu'il serait de bon ton d'aller écho côté crew. Ouais, clairement, clairement. Surtout que Russ, voilà, il était bas en point de vie, mais il était complètement remonté. Lui qui a survécu au coup de sniper de Nakzed, donc il faut rester, il faut en rester là, il faut les sauvegarder. Cet opérateur notamment là qui est ultra important pour plus tard. Et du coup, j'y croyais pas, parce que l'explosivité côté guild, à la fois elle est là parce qu'on a pris d'espace et on a surpris, mais il y a eu cette espèce de petit temps mort là où bah, Trex il est en plein milieu du BP, il temporise la suite de stuff et en vrai c'était bien fait, hein. Je crois que c'est Safe qui lui met une flash supplémentaire et il va déloger le backside avec ça. Alors au final il se retrouve en fin de chargeur en effet, et c'est ce qui rendait la situation un peu gag, mais l'idée était bonne et c'est bah, Safe justement qui aura ensuite profité des informations de son coéquipier pour trade un peu tout le monde et assurer définitivement la prise de site. Donc on va le revoir ici, voilà cette flash importante. Là, la fin de chargeur, il punit, et du coup, Safe qui va arriver backside et qui va trade et faire même plus que ça, puisqu'il punit bah, Keznit qui traversait la smoke spawn. Donc, ouais, ça se passe très très bien pour les guilds, mais voilà, il y a toujours ce danger des armes sauvegardées, et notamment de Nakzed. Ouais, l'opérateur de Nakzed, ça sera vraiment le danger sur ce round de light buy, on va dire, de Two Man Army, du coup, sur la fantôme de Delzik et l'OP de Nakzed. La line-up de smoke est travaillée pour Russ. Il me semble qu'elle arrive au niveau des lampes, si je ne me trompe pas. C'est ça, au niveau de ses lampes, elle est cross par Trex. Trex qui va chercher jusqu'au niveau du backside, c'est couplé avec un ultimate de Léo. La nuit tombante, puisque il faut s'appliquer sur les noms. Ah ouais, c'est le nom ? Ok. Bah, la nuit tombante, de la fade, ouais, il me semble que c'est ça. Bon, je prends des notes, merci. Non, depuis quand toi tu connais pas un nom de sort? Je crois coup, même que c'est toi qui me l'as appris. Ils reprennent ici les lampes, ils sont un peu stoppés. Hein. L'éclaireur, il y a une grenade juste derrière, on n'a pas pu le suivre. Mais on sait que les lampes sont tenues et je crois que Trex est encore relativement invisible avec son judge. La voix est close, franchement il faut tenter autre chose. Ça sera via le BP, Klaus d'ailleurs qui désamorce déjà. La moitié est déjà faite, il continue et c'est en train de le faire. Et sinon, on le trouve au dernier moment à travers la smoke et on le fera tomber. Quelques kills supplémentaires, mais rien de bien méchant. Pour le moment, quoique on a du mal ici à se déloger dans la shower. D'ailleurs, Léo arrive à tirer le meilleur de cette position avec un triplé. Petite frayeur quand même. Hein. Ouais, ça a failli Ninja Diffuse là-dessus. Je crois qu'il reste une seconde, une demi-seconde peut-être même avant que le joueur soit éliminé. Donc ouais, belle inspiration de Koldamenta à travers la smoke parce que c'était pas loin d'être un round gag. Un volé quoi. Mais je t'assure que c'est toi qui m'as appris que c'était la nuit tombante. D'accord. Je sais pas de quoi tu parles. Très bien. Donc oui, c'est bien la nuit tombante de Fade.
La nuit de... Je pensais que tu vois que ça avait un rapport avec les cauchemars et tout, mais non. La nuit tombante, et Léo qui bombe le torse, qui crie, évidemment. Il y a un ascendant psychologique à prendre aussi en LAN. C'est pas négligeable. On célèbre quand on gagne un round, mais c'est de ruiner le mental de son adversaire. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Klaus qui a déposé son ultimate au niveau de la short. Il n'est pas repéré par le dog de safe. Et on repart côté guild. On n'a pas envie d'aller se baigner dans la bave de la Viper. Vraiment pas. La bave du crapaud n'attendra pas les guildes sur ce round, puisqu'ils décident de rotate et de proposer peut-être un split B. Alors, ça, en les voyant à 5 ou 4, je me pose la question. Le Brim qui se recule dans le même timing, et là il va se moquer profond, mais c'est trop tard, les gens sont déjà passés, et on repère en plus ce joueur en lui envoyant un rôdeur dans le site. Tout l'enchaînement est là, et du coup attention à la longue là, et à l'écran toxique, hein, c'est difficile, on envoie beaucoup de stuff, et enfin c'est Delzik qui va finir par en subir des conséquences. Masino fait le moins 2 ici, il est enfin trade par Léo, mais on est déjà un dans le garden et un backside ici, Keznit qui pourrait avoir l'effet de surprise, mais c'est Naxxed va se régaler, fin de l'écran toxique, moins 1, moins 2, bien aidé par la raise, les crews qui ont tenu. 5-0 ou K, sans info de la longue, ouais. C'est dur, c'est dangereux. Il y avait un bel enchaînement quand même, hein. Plein de stuff là pour le BP. D'accord, mais que pour le BP. Le Garden, la suite, on l'a délaissé de A à Z. Vraiment, le Garden, c'était même pas une option. Parce que il me semble que, voilà, Masino, quand il décale ici, c'est pas forcément le joueur Garden. Il peut venir du elbow, tu vois. Et vraiment, on part en tunnel vision sur le BP. Après, il est en plein milieu en plus, et il se prend pas de stuff. Ouais. On sort avant le hunter en fait. Je pense qu'on espère que le joueur est focus hunter au moment où ça sort. Mais pas du tout, hein. Masino, il avait compris que sa pose était un peu délicate et c'était je clique des têtes ou je clique rien du tout. Et franchement, la décision était bonne, surtout que ça a complètement rendu invisible le chamber qui a pu en profiter un peu plus tard. Donc ouais, bonne défense des crews qui ne tient peut-être pas à pas grand chose. C'est surtout les guildes n'ont pas fait grand chose en fait dans le round, hein, comme tu l'as dit. 5 Uka, pas de contrôle map, pas de présence, tout de suite on essaye d'exploser. Ils étaient un peu trop terre à terre peut-être dans cette stratégie et c'est là où ils peuvent un tout petit peu s'en vouloir. Ils investissent quand même une pause peut-être pour réfléchir encore aux options qu'il leur reste ici pour terminer peut-être la game et continuer à capitaliser sur cette petite avance qu'ils ont encore. Ouais, le Whipper Comedy Club qui prend toujours place, hein, dans le chat. Bien sûr, vous êtes inépuisable. La game a déjà commencé depuis, je dirais, 45 minutes. Ouais, ça et ça carbure toujours sur les vannes. Il y en a qui ont enchaîné avec Klaus, du coup, tu vois. C'est fini, crew, on parle juste de Klaus, parce que c'est vrai qu'il y a des blagues à faire. Coldamenta, il y a de l'argent à gagner, apparemment. Il y a un viewer qui a promis de l'argent à la meilleure blague en français sur Coldamenta. Donc... Ah, et j'ai vu une blague à base de col en Corse, à gravir, je sais pas quoi, mais c'était pas clair. Hein? Non, mais faut pas chercher. Ok, bon. On en trouvera peut-être une, Klaus, qui vise les pieds, justement. On l'a un petit peu jinx là-dessus sur ce round au niveau de la Ouka. Il est surpris par la décale rapide de Trex et il n'arrivera qu'à lui toucher les pieds. Malheureusement, ce sera tout. 5v4 pour les guilds et on tente de peut-être de faire la différence côté Naxxed au niveau de la short. On aimerait bien récupérer un petit joueur qui s'aventurerait par là. Et oui, justement, Trex qui abandonne son contrôle de carte aurait pu être surpris par Naxxed. Ça restera du 5v4. Ok, donc là on a envie de leur dire de simplement jouer groupé et pas trop se prendre la tête. On fait quand même cette présence longue B avec un éclaireur, mais Naxxed il y croit pas. La flash est encore là au-dessus, mais ouais, Naxxed qui du coup se fige un peu dans son jardin et donc on va manquer d'informations. Ça reprend des flashs aussi, enfin des informations à base de flash de sky pour Masino. Et on comprend, les trackers sont investis par la défense. Les trackers s'en vont tous. Ils ne vont pas à B, ils vont en A. On met la division cosmique de Coldamenta par au-dessus pour essayer de sortir. Mais vous le voyez, Delzik est prêt à investir son rayon orbital à la moindre tentative d'amorçage. 30 secondes et tout reste à faire encore pour Guild qui met seulement un pied sur le BP. Là. Ouais, on passe sur BP pour Guild. Fake amorçage pour forcer la Nate. C'est extrêmement bien joué. Plus ultimate du Brimstone. On avait prévu, Coldamenta était un joueur malin et qu'il allait peut-être tenter d'amorcer un autre endroit. Les smoky fade, il doit les renouveler. Et c'est ce qu'il va faire, Coldamenta. Première smoke au niveau de la short. Delzik qui décale sur la flash. Elle est excellente, brillante. C'est le cas de le dire. Doublé pour lui. Steam Beacon. Et 3v2 à jouer. Mais Safe ne l'entend pas de cette oreille puisqu'il fera tomber Delzik. On va l'économiser. On va aller garder cette Vandale côté Naxxed. On n'a pas forcément le choix. Évidemment, il va tenter de jouer un orbe. Je pense que prochain round, il prend un orbe, il drop sa Vandale et il essaie de jouer autour de force. Ouais. Et là, on est passé en force, justement, côté guild sur le BP avec une bonne division cosmique. Faut le dire. Parfois, les choses les plus simples fonctionnent. Un ulti Astra BPA et c'est tout. C'est ça. Alors après, je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de temps, tu vois. Genre, je crois que ça dure 15 secondes, la division cosmique.
Et vraiment, on a planté que dans les deux dernières secondes, même pas. Ce qui fait que Crew a envoyé beaucoup de contre-stuff, mais souvent dans le vide. Le rayon orbital, c'est le plus notable. Mais j'ai vu aussi la grenade de Keznit dans le vent. J'ai vu les molos de Klaus dans le vent aussi. Donc, l'espèce de patience des guildes avant d'amorcer, c'est aussi ce qui fait qu'ils n'ont pas trop subi tous ces stuffs qui sont tombés de manière successive sur le site à travers la division cosmique. Et que donc, à la fin, il n'y avait que le skill, en quelque sorte, et l'unique flash de la Sky pour tenter de compenser un peu tout ça. Donc, elle va dire pas grand-chose, quoi. Guild a mis un round très convaincant ici. Ouais, c'est le cas de le dire. On va partir peut-être sur le round qui pourrait offrir au guild le 12e point, l'éventuelle balle de carte sur la carte de leurs adversaires, on le rappelle. Hein. Bane qui est le choix de l'équipe d'Amérique latine, les Crew, composés essentiellement de Chiliens, avec un Argentin, Léo, qui récupère son ultimate, sa nuit tombante, et qui l'emploie directement sur le BP. Elle ne touchera personne. Russ qui avance du coup au niveau de la short avec son stuff, ça va se dissiper, on repère un joueur au niveau des lampes, c'est Keznit qui va décaler face à Trex qui n'arrive pas à aligner et qui se fera finalement éliminer par la grenade de son opposant. On fait qu'amorçage pour encore une fois faire ce commit les joueurs adverses, ça passe, mais Delzik lui arrive à faire une double élimination malgré le fait qu'on casque Léo, ça ne suffit pas à l'éliminer, Bullchien oblige. Et du coup, ce sera du 3v2 avec un joueur qui arrive dans le dos. Nexet, on n'a plus de trap de Chamber et c'est la collate. C'est la collate, l'alignement des planètes. Léo est contraint au clutch avec 5 HP. Ouais, et on sait qu'il n'est pas lampe, on sait qu'il n'est pas short. Et du coup, on l'imagine en train de faire le tour. Il essaie de s'appliquer, il le fait, le premier duel ici. Plus que 1v1, il se replace et se met à couvert. Derrière le tank, pendant qu'on ne m'entend plus, et je crois que j'ai un bug sur mon micro. Allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Je t'entends toujours. Ok, j'ai eu un bug de mon côté, c'est juste mon casque, je crois, qui bug un peu. Et désolé, parce que du coup, j'ai raté le Delzik qui fait l'ultime kill sur Léo. Ouais, Léo qui était pas loin de faire le clutch, franchement, mais avec 5 HP, c'est trop juste. 5 HP, c'est trop juste. Franchement, bien tenté de la part de Léo. Et là, les planètes, les corps qui s'alignent, je pense que c'est le cas de le dire. S'il n'y avait pas la collate là, c'était un tout autre round. Mais avec des si, de toute façon, on refait le monde. Ouais, là, il s'est mis trop bien. Il s'est mis trop bien, Nexet, puisque derrière, c'est un 1v1 pour Delzik et ses 5 HP et les 5 HP de Léo. Mais c'est un headshot qui part. Bah bon. Au début, j'ai eu un peu peur pour les crews parce que je trouvais qu'ils étaient trop en mode je veux faire la diff 1-div, tu vois. Genre Keznit qui décale lampe tout seul. Je crois qu'il y a aussi Mazino qui traverse défaut tout seul. Donc attention à pas perdre le sang-froid ici. Nexet en a beaucoup, en tout cas il décale, il touche l'éclaireur, mais se téléporte. On essaye d'accélérer avec un rayon orbital qui tombe un peu trop tard. Trex est déjà passé au contact de cette lampe et Delzik lâche l'affaire. Safe par contre se fait intercepter, il joue un peu trop rapidement dans les jeux. Ils ont force en fait les guilds, ils ont force. Force qui est un peu brinque-ballant. On utilise un ultimate du côté de Trex au niveau du backside. Nexet qui s'est bien replacé au niveau de la hauteur. Est-ce qu'on va le chercher? Oh oui, on va le chercher, c'est bien fait. Et on en prend deux, mais que dis-je? Non, Kessnidus qui survit avec 51 HP. Franchement, je pensais que ça allait être 1 pour le prix de 2. 2 pour le prix d'un, pardon. Ouais. Je suis vraiment pas commercial, moi. Et non, ça sera un 4v2. Du coup, pour les guilds, un round extrêmement difficile à clutcher. Alors, ils vont la tenter tout de même, bien sûr. L'éclaireur qui est là pour choper quelques infos, il sera détruit. On va jouer dans les smokes, voilà, on va tenter quelque chose un peu surprenant, mais ça court ici avec la spectre, hein. Ça ne s'arrête jamais de courir même, et c'est quand même calmé pardon, par Léo, qui se fait trade à son tour, les crew qui s'accrochent. Ça court, c'est clair. C'est le cas de le dire avec les spectres, on abuse un petit peu du run and gun. Il faut le faire, hein. Franchement ils ont raison. Et ils vont tomber en écho les guilds, parce que là, tu sais qu'ils avaient un force buy avec deux spectres, un petit shield, c'était un peu douteux quand même comme force, ouais. Je trouve. On a utilisé un ulti en plus de la raise. Tu vois, c'est juste en train de dire, il a joué un peu trop vite, mais en fait il se fait juste shot à travers juste les smokes. Clairement. Ça c'est un replay important pour bien comprendre l'action et comprendre qu'il y a un peu de réussite aussi qui accompagne ici la petite remontée des crews depuis quelques rounds. Donc ouais, on se pose la question économique pour les guildes, où est-ce qu'on en est? Ben, on n'est pas bien en fait, là c'est écho hein, de manière obligatoire, et on l'a vu aussi, mais timeout investi tout de suite, le dernier timeout pour les guildes, pour essayer de convertir quand même l'essai, quoi, ne pas se faire avoir sur cette fin de match, même si le 11 à 11, il a l'air d'être plus qu'évident. Ouais, avec l'écho. Après, j'ai envie de dire, c'est le meilleur moment aussi pour mettre une écho. Et quand il y a des équipes acculées comme ça, elles arrivent à sortir des rounds de leur chapeau. Tu vois, je pense au Xerxa tout à l'heure, dans la smoke. Tu vois, un petit move comme ça. Ouais, ils pourraient en être capables. Big brain, un petit big brain move. Je vais voir si les ults, hein, j'ai pas vu avant qu'on ait les images des joueurs, mais il faudrait voir un peu ce qu'ils ont au niveau ultimate, parce qu'on sait à quel point un ultimate peut parfois tout changer dans un rune écho ou pas.
Donc voilà, je pense que cette pause tactique qui est en train de permettre au guild de faire le j'y arrive pas, l'inventaire. Voilà, l'inventaire des moyens. Je suis désolé de pas t'être venu. Ouais, j'ai vu que tu avais le regard dans le vide. j'étais tout seul dans cette affaire. Ça sera donc l'ulti quand même de safe, l'ulti de Russ aussi. Donc tu vois, si on arrive à passer sur le BP, l'ulti Russ pourrait complètement offrir une écho. Hein, ouais, même si Léo plante le spike, on peut avoir son ultime aussi, Léo, qui nous fait une game de haute volée. Hein, comme d'habitude, comme on est habitué. Léo, peut-être l'un des meilleurs joueurs support Sova du monde, je pense qu'on peut le dire sans rougir. Je suis d'accord. On couple le rôdeur avec le hunter. C'est vraiment la longue des cauchemars, mais pour l'instant, on n'arrive pas à repérer un joueur adverse, tandis que Masino a pris de l'information avec sa Sky, il a vu des joueurs reculer. Est-ce qu'on s'attend, du coup, au rush au niveau de la short côté Delzy, il va falloir être réactif. Il a deux smokes, il a une mollo. Normalement, tout devrait bien se passer. Par contre, tu vois, la smoke de la Vapeur, elle vient de tomber que maintenant. Donc, on comprend. On comprend largement que c'est en train de passer sur le BP. On tente sa chance à travers. Et encore une fois, la réussite. Ça fait deux rounds d'affilée que Geznit prend l'open kill à travers les smokes. C'est Trexy qui en fait les frais. Surtout que Léo a pris lui-même énormément de dégâts. Un point de vie. Alors, il y regagne. Il a traversé la toxine. Mais là, il a perdu quelques dégâts dans cette opération. Il s'est fail. Ah, d'accord, il se fail tout simplement par safe en effet. Je me demandais est-ce qu'il était en train de se baigner dans. C'est possible aussi, mais il était low HP dans tous les cas. Dans tous les cas, on a pris les lampes. Ok, en perdant un joueur qui avait la spectre d'ailleurs, donc on perd la spectre aussi. Et là, on freeze dans les lampes et Crew n'ose pas vraiment récupérer l'info. Ils n'ont pas besoin de récupérer la zone pour le coup. L'objectif, je ne vais pas refaire le monde, mais l'objectif c'est de planter le spike, de défendre le spike jusqu'au bout. Les lampes, au final, même si c'est confortable de les avoir en défense, et ben quand on les a pas, on peut jouer CT, on peut jouer des crossfire. Et les crews nous le montrent, puisqu'ils nous sortent un très très joli round avec Nakzet qui est à la finition. Masino qui va se faire récupérer par Koldameta, qui tape le marathon de sa vie au niveau du spawn. Il va pouvoir récupérer une spectre. Oh, t'as le seum. Oh, t'as le seum quand tu récupères une spectre. Là, il veut mourir et ça serait bien joué de ne pas le tuer. Ça serait bien joué de le laisser ici avec sa spectre et sa non-thune. C'est ce qu'ils font. C'est trop bien joué. C'est trop bien joué ici puisque mourir lui aurait permis d'avoir une arme supérieure. Et là, bah, il peut pas. Il va être condamné à jouer avec la spectre dans le round à venir. Donc, ça, c'est pas souvent qu'on a la situation. Et c'est comme pas souvent qu'on voit les joueurs le faire. Tu vois. Comme laisser un chamber avec son ulti mourir à la fin, ne pas le laisser écho à aucune arme. Mais c'est vrai qu'en général, les joueurs ont le temps d'avoir un vis-à-vis avec leurs adversaires et du coup, plutôt que de perdre leurs propres armes, ils préfèrent les tuer. Mais là, non. On est vraiment resté cachés. Et ils l'ont fait, c'est ça qui est bien. C'est ça. On voit qu'ils ont compris la situation, ils se sont dit on le laisse en vie et tout le monde se recule. Nous, en ranked, on fait ça. Il y a trois mecs qui lui sautent dessus parce qu'ils se disent frac facile, je veux finir MVP de la game. Bref, on repart ici 11 à 11. Et donc, Lamenta qui se contente de son spectre. En effet, ça veut jouer rapide sur le A. C'est parti pour l'exécution avec les trackers, notamment, plus l'ulti. On l'attendait, cet ulti de Russ, il va être important. On va prendre possession du site et planter sans être inquiété. Ouais, Kessie de Russ, là, faut pas qu'il abuse non plus des bonnes choses parce qu'à force de tenter les traversements, il risque d'être pris à son propre jeu. On sait que les ultimates, c'est un round qui coûte extrêmement cher pour les guilds et on le comprend. À 11-11, on est de tout investir pour remporter les rounds. C'est du 5v5 retake. On a du stuff. Hein. Côté crew, on a l'ultimate de KC2S qui va se baigner dans la mare de la Viper. Il fait tomber Russ. C'est terrible pour les crew puisque la pièce maîtresse de ce round est tombée. On n'a plus d'ultimate du côté de la Viper. Le pool qui permet d'empêcher la diffuse. Mais pour combien de temps? Combien de temps est-ce qu'on va réussir à acheter côté guild? Léo qui gagne son duel. Mais on tient la diffuse. On tient la diffuse du côté des joueurs crew. Et c'est le 12e point. La balle de cartes pour les crew sur leur choix de map. Certes, on fait tomber énormément d'armes du côté de Léo, mais ça sera pas suffisant pour les guildes. Et ouais, c'était très bien joué ici de la part des crews, surtout l'ulti, hein, l'ulti de Keznit envoyé un peu à l'aveugle, qui trouve eh bien, le joueur important, tu l'as dit, Russ qui tombe. Et Russ, c'est aussi deux molos, donc il n'y a pas vraiment de post-plante. Il y a l'unique étoile hein, transformée en puits de gravité par Koldameta qui aura permis de gagner un tout petit peu de temps. Mais globalement, on a repris les lampes, on a repris la short, on avait verrouillé aussi les showers, et c'est ce qui fait que Klaus peut désamorcer en étant serein quasiment tout du long ici. Donc gros travail de la Rez, il faut le dire. Keznit qui est en train de step up et d'offrir beaucoup de runes. Alors le coach barbare qui lui il s'énerve là, il perd sa patience. Hein. Ah, on dirait moi, mais moi je m'énerve comme ça pour des ranked. Lui il s'énerve comme ça alors que son équipe est au Masters. On sent qu'il y a une ambiance un petit peu différente. On tente les travers smoke avec l'opérateur au niveau de la hauteur et on voit que Keznit a un petit peu moins de réussite que Keznit Deus. Heureusement, j'ai envie de te dire.
parce que côté crew, on a beaucoup de réussite à travers les smokes sur ce site de défense. Ça serait une retake en 5v5, la même couronne précédente, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'ultimate. Ouais. Aucun ultimate du côté des guides, aucun ultimate du côté des crew, ça va se taper au skill. Il y a du post-plant, il y a la Viper qui est loin, il y a la Astra qui est loin aussi, mais on perd déjà 13 et sa grenade. Au niveau du BP, Safe qui joue le contact ici avec 13 points de vie, il pourrait largement gratter un kill, surtout qu'on l'accompagne. Et voilà, c'est fait sur Nakzet, Klaus qui ne peut pas désamorcer. Le voilà, le post-plant, le vrai post-plant, le crade, le paveux avec la Viper. Klaus qui s'y prend du coup à deux fois, mais on élimine les différents joueurs. On tourne le doigt à Léo qui en fait un, et la mono qui fait un kill sur Klaus. Ils sont en train de le faire ici, les guilds sont en train de tenir avec un post-plant beaucoup plus classique. Keznit ne pourra rien faire de plus, ça tient et on part en overtime, ma chère Lou. Il est trop fort, Léo, c'est abusé, vraiment. C'est très bien joué de la part des guilds, notamment Safe qui est l'OHP, du coup qui se positionne au contact, au shorty, parce qu'il sait qu'à la fantôme, fantôme vs fantôme, il a pas sa chance. C'est headshot instant, il risque de galérer à gagner son duel. Donc c'est shorty dans les lampes au contact, et finalement il affronte le meilleur joueur, vu qu'il est à l'OP. Pourquoi c'est l'OP Chamber qui reprend les lampes? Il a un peu pété les plombs, Nakzet, là-dessus, franchement. Comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est une de ces zones que tu peux aussi te permettre de ne pas jouer au final si tu en défends les sorties, ni plus ni moins au moment du désamorçage. Mais là, à vrai dire, vraiment, c'est le fait que Russ soit loin et que Russ envoie ses deux molos coup sur coup, plus une étoile de Cold Damage, je crois bien, c'est ça qui vraiment aura permis de gagner ses secondes et de tuer en plus un joueur lorsqu'il désamorce. Donc ça s'accroche. Voilà. Ouais, et les Vipers qui sont un petit peu mis à l'amende là quand on regarde le tableau des scores. Un petit peu de mal du côté de Klaus et du côté de Russ, mais rien d'alarmant puisqu'on le rappelle, on est sur le premier round de l'overtime, 25e round. Pour départager les guilds et les crews, les guilds sont donc repassés en défense avec un setup classique. Les deux initiateurs sur le même BP, c'est pas le truc le plus classique. En tout cas, on le voit pas tous les jours. Cold Amenta qui va être puni par la décale de Nakzet. Que dis-je ? Non ! Cold Amenta qui réussit à le travers headshot. Ouais, il s'est pris une balle en travers, il arrive à survivre. Et au final, Nakzet va rejoindre ses coéquipiers pour un finish en split B. Très probablement. Ouais, ça ressemble. Hein. Il a envie de soigner quand même. Hein. On va soigner Nakzet dans un premier temps. Et il reste un peu moins d'une minute, ce qui laisse quand même la porte ouverte à de potentielles redirections. Moi, j'aimerais bien voir Klaus essayer de s'infiltrer un peu en A. Là, c'est le bon coup, là, parce que quand on voit que les guilds ont une lecture parfaite, hein, ils sont 4 en B, ils ont compris ce qui se passait. Donc là, tant qu'il n'y a pas une pression A, ouais, Keznit se fait avoir par le combo, la capture, la grenade. Le stun du Lou. Le stun aussi. En plus, il s'est tout pris et on perd du coup l'ouvreur et on essaie de... D'accord, ça redirige ici. Ça redirige, alors ça redirige pour la défense qui va renforcer le A et on s'est infiltré dans le même timing, pour les crews qui peuvent quand même amorcer un peu gratuitement. Ouais, mais ça serait une retake en 5v4 et j'ai l'impression qu'on va utiliser des molos pour le City. Donc il y aura un post-plant plus faible côté crew. Là, le but c'est clairement de se battre sur le BP et pas d'aller jouer la longue super safe. Deux joueurs qui TP justement, qui vont reprendre les Lauka. Klaus qui gagne son premier duel, qui a envoyé sa molo, prend le second duel contre Russ et il tient Klaus. Nakzet de son côté fait la différence face à Cold Amenta qui essayait de cross au niveau du BP. Léo n'est pas invincible mais il arrive tout de même à prendre son kit face à Mazino. Il faut sortir la smoke d'Elzik de profil face à Léo. D'Elzik qui pourrait être couché par Safe. Safe a 1v2 à jouer, il sait où les deux joueurs sont, il couche le premier et le deuxième qui n'a qu'un petit HP, 20 points de vie. Il le décale Nakzet mais il n'a pas le temps. Ouais, il n'a pas le temps d'y jouer du tout ici. Dommage, hein, le binôme suédois qui était pas loin de retourner la situation, mais quel travail des crews. Eux-mêmes viennent de retourner un round ici, le 4v5, on perd Keznit avec un excellent combo garden, et là il y a ce timing, cette intuition de Mazino qui marche en fait, il marche en B, et il entend les joueurs qui redirigent, il comprend que le site est libre, l'exécution est là, et surtout, la Viper dans la hauteur bien sûr, Klaus qui comprend qu'il y a un double TP derrière lui, il s'impose contre le premier, met une molo, et s'impose aussi contre le second, on le revoit ici, bam. Il se repose, hop, la mollo, et du coup c'est 2 hits dans le corps qui suffisent à éliminer son adversaire. C'était franchement magnifique et indispensable pour permettre à son équipe de s'imposer malgré les animations de Léo et de Safe, évidemment. 13-12, crew qui est légèrement devant ici et qui passe en défense. Ouais, les crews en défense, ça a quand même bien tenu. Il va falloir être fort, il va falloir être grand côté guild pour espérer remporter ce round. On n'a pas vu le joueur la Sky au contact du garden. Bah ouais, Mazino qui n'a pas été repéré par le prowler et c'est terrible. C'est peut-être sur ça que vont s'incliner les guilds au niveau de ce garden. Le prowler, c'est pas un doc de Sky. Il n'a pas repéré le joueur contact garden. Ça a sauvé la vie de Mazino. On décale du côté de Safe. Mais c'est déjà quasiment terminé pour les guilds qui... ont beaucoup à faire, celle qui se prend un casque, qui prend un boombot, une sacoche, il arrive quand même à faire tomber Keznit, mais là tous les espoirs des guilds sont sur Trex, qu'il fasse quelque chose au niveau de Sauka,
Et le plan de jeu des crews est très clair. On veut défendre le spike. Trex arrive quand même à prendre un kill. Nagzet dans le dos à l'opérateur, un kill gratuit. Oh, Safe qui s'offre un 1v2. Masino et l'OHP. Franchement, s'il arrive à faire tomber Delzik, le round se met encore. Ah, mais tu vois, Safe, il y a une seconde près, il tuait Nagzet et ils étaient du coup en 2v2. Et là, il a encore ce spike qui est si loin, qui était repéré par le Brimstone d'ailleurs. On était sur le point de se séparer côté crew, mais le Brimstone, il voit le spike, il dit bah, viens jouer avec moi, mon ref, ça va bien se passer. 24 PV, ligne par ligne, le duel de Sky ici, qui est gagnable. Oh, la perspective, il devine. Non, il ne verra pas le joueur. Par contre, il trouve le shot, ça pourrait le faire la mollo sur le spike. Le shot, il a été trouvé. Safe qui doit opposer, mais qui débloque ses trackers avec ce kill. Les trackers qui trouvent le joueur. Une balle suffit pour s'imposer d'un côté comme de l'autre. Mais le temps défile. Masino se recule et Safe doit s'avancer. Safe doit se précipiter. Il sait que le joueur est à droite, mais il ne sait pas où exactement. Et le temps, c'est terminé ici. Il doit kill et c'est tout. Et malheureusement, il aura perdu trop de temps ici sur cette fin de round. Et c'est Masino qui signe un quadruplé et qui clutchera simplement avec sa patience et son repositionnement. L'écrou